Aujourd'hui les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Regardez, il y a l'île du Père Noël qui vient tout juste d'arriver. Elle vient tout droit du pôle Nord. Et aujourd'hui je m'étais dit, c'est parti pour faire un petit challenge. Là on est vraiment à la maison du Père Noël. Et juste ici, il y a un petit cadeau et on va l'ouvrir. Oh, ok, nice, une arme violette, ça, ça tombe bien. C'est magnifique, on va essayer de trouver d'autres cadeaux. Parce que le challenge aujourd'hui de cette vidéo sera d'utiliser seulement les armes qui proviennent de cadeaux, les armes du Père Noël. Les gars, il y a un mec qui vient d'atterrir juste là, on va essayer de gratter du kill. En sachant qu'il a l'air d'avoir pas mal de monde dans cette ville. Notre but les gars, ça va être de faire un top 1, il est là. Allez, ok, allez s'il te plaît. Ok, nice, c'est bon, le premier kill est donc validé de fou, ça, ça fait plaisir. Je vais boire ma petite potion juste ici. Le Père Noël est juste là, il nous a lancé un cadeau. On va regarder juste après ce que le Père Noël nous a envoyé. Hop là, c'est parti. Dis-moi qu'il y a une bonne arme à l'intérieur, s'il te plaît. Quoi? Il y a pas d'arme? Il y avait pas d'arme à l'intérieur. Bonjour Père Noël, t'es sérieux? Il m'a pas donné d'arme. Bon, il m'a donné un kit de soins, c'est pas si pire la vérité. J'aurais préféré une arme, hein, un petit fusil à pompe, une petite AR. Bref, en tout cas, on a des potions, un kit de soins, on est bien. Il y a un mec qui vient d'atterrir juste ici. On va essayer de voir s'il y a moyen de l'éliminer, oui ou non, les gars. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon moment en visionnant cette vidéo en mon compagnie, les gars. Vous savez bien que c'est tout le but. Oh, il a encore envoyé un autre cadeau. En fait, j'ai bien l'impression que Père Noël, il envoie un cadeau à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, en fait. Bon, le problème, c'est que le mec, il a un fusil à pompe. J'ai peur de le rusher, hein, parce que les fusils à pompe ça fait grave mal. Il est parti chercher les cadeaux. Ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, on va essayer de chercher après un autre petit cadeau à ouvrir. Oh, juste là il y en avait un, frère, il a déjà été ouvert. Oh, j'ai trop le seum. Je connais pas cet endroit les gars, c'est la première fois que je viens ici. On m'a dit qu'il y avait des cadeaux de Père Noël. Je m'étais dit je lance directement une vidéo pour lancer ce petit challenge en espérant qu'on réussisse one shot. Oh, il y a un mec là. Ok, touché. Ok, il est frère, il est one là. Hein. Viens ici que je t'élimine. Let's go! Le deuxième kill qui passe crème, ça, ça fait plaisir. Tu me donnes tes constructions. Et oh! C'est quoi ça? Frère, le casse-noisette, il est enfermé dans un petit igloo. Ça, c'est un easter egg de fou, frère. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadeau caché quelque part, genre une grotte? Ça serait incroyable. Oh, juste ici, les gars. Oh! Nice! Du coup, ça, le petit cadeau. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a une bonne arme à l'intérieur. Oh nice, c'est bon, nice, on a une arme, oh c'est un pistolet. Oh non, franchement c'est la pire arme qu'on aurait pu avoir. Je préfère avoir un sniper, un fusil à pompe, une AR. Bah non, il a fallu qu'il nous donne un pistolet. Bah vous savez quoi les gars, c'est parti, direction chercher après un autre ennemi à éliminer. D'après ce que je sais, les cadeaux on les obtient seulement dans la zone enneigée de la map. Du coup on est parti pour aller peut-être à classique courte, voir s'il y a moyen de trouver d'autres cadeaux. Parce que la vérité, si j'arrive pas à avoir de fusil à pompe d'ici la fin de cette partie, je risque de galérer vraiment à faire le top 1. En plus de ça, le contrat que j'ai, il se trouve à classique courte. On va essayer de voir s'il y a moyen de l'éliminer ou pas. Alors voyons voir. Là il y a un sapin de Noël. Mais est-ce qu'il y a des cadeaux cachés par ici? À mon avis, s'il y a des cadeaux, ils ont déjà été ouverts les gars. Ah ouais, ouais. Tout a déjà été loot. Par contre les grenades répulsives juste ici, je vais les prendre. Le mec il est en train de s'échapper. Vous savez quoi, je vais prendre le véhicule juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ma voiture? Je la trouve sublime. Moi personnellement je kiffe de fou. Elle est trop belle cette voiture. Frère, mon contrat il s'éloigne de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Lui aussi il a un véhicule, c'est sûr et certain. En tout cas une chose est sûre les gars, c'est que je vais les traquer jusqu'à sa mort. Parce que moi j'ai besoin de faire des kills. Là pour le moment on a que 2 kills, c'est assez ridicule. Oh les gars, wesh la dinguerie, regardez. On vient de tomber sur un lama. Oh là là, la chance de fou. Bam, là on va être bien niveau construction. Même si on était déjà très très bien. Oh, il y a des gens juste au dessus, en vérité on est tombé sur un lama. C'est une dinguerie, code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite les gars, pour tomber dans un lama dans chacune de vos parties. Il y a un ennemi juste là. Tu seras ma prochaine victime. En vrai, les SMG violettes que j'ai, c'est pas si pire. Je l'aime bien cette SMG. Pour moi, c'est la meilleure des SMG. Par contre, j'arrive pas à le toucher. Et ça, c'est très problématique, les gars, hein, n'est-ce pas? En vrai, le lama, il nous a mis trop bien aussi au niveau des munitions. Je vais pouvoir le spammer. Ça, c'est un avantage considérable. Allez, c'est parti, les gars, pour peut-être le bullfight. Ok, le mec, il a un sniper. Oh, il a failli me toucher, mais je l'ai touché, hein. Aïe! Wesh, il m'a mis une balle dans le crâne. Le mec a l'air d'être chaud, hein. Et c'est sûr, en plus, ce genre de personne qui a un fusil à pompe. Et des fusils à pompe, autant vous dire que là, ça risque d'être compliqué. Wouh! Ok. Let's go! Oh là 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 là. Là, par contre, je l'ai humilié.
L'SMG, elle a carry de fou, les gars, vous avez vu ça? Waouh, les dégâts que j'arrive à mettre avec cette SMG. Il suffit d'avoir une bonne aim, et si j'ai une bonne aim, tout se passe bien, les gars. En tout cas, je peux pas récupérer ses armes, ça c'est bien dommage. Mais en tout cas, ça fait un kill en plus au compteur, et c'était pas la personne que je devais éliminer sur mon contrat. Ça c'est bien bizarre, ça, je pensais que c'était elle. Du coup, c'est parti, on va prendre la voiture juste là, et on va chercher après la personne qu'on doit éliminer depuis tout à l'heure, les gars. D'ailleurs, on n'a pas de médaillon, ça serait intéressant de trouver quelqu'un qui a un médaillon, histoire de se mettre bien, parce que même si les médaillons ont été patch récemment et qui sont pas aussi puissants, c'est toujours confortable d'avoir un médaillon dans son inventaire, n'est-ce pas? Les gars, regardez, il vient d'activer le cache là-bas. Ok, on connaît sa position, c'est parti, direction l'éliminer. Oh! Ah mais attends, c'est lui? C'est lui, frère, c'est lui ou pas? Je sais pas. Ok, il a essayé de me rusher avec son grappin. Tu vois là, il est trop loin, j'ai pas de sniper, j'ai pas d'AR, donc à cette distance, mon frérot, c'est carrément impossible de le toucher. Tu sais quoi? Je pense qu'on va se rapprocher. Il avait l'air d'avoir peur de moi, les gars, du coup, on va en profiter. Ok, il est sur le cache. Je vais essayer de prendre la hauteur juste ici. Attends, il y a le cache qui va s'ouvrir. Je vais lui foncer dessus. Frérot! Oh! Ok, nice, la rafale. La belle petite rafale. Ça, c'est sympathique. On a la hauteur. Ok, je sais pas si je l'ai touché là. Il a utilisé le grappin avec les pieds gelés. Ça, c'est vraiment bête, ça, mon gars. Allez, viens ici. Oh ouais, mais ça, je kiffe avec cette SMG. C'est que les balles, elles passent à travers, frère. Let's go! Sam, tu retournes au lobby. Ça, ça fait plaisir. Et en plus de ça, les gars, il avait un médaillon. Le premier médaillon de la partie. Ça, c'est incroyablement satisfaisant. D'ailleurs, les gars, on va jouer un petit jeu, hein. Si j'arrive à faire le top 1 dès cette première game, juste avec le stuff d'un cadeau, vous êtes tous obligés de vous abonner à ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, ok? Il y a un mec qui est juste là. Je vais me cacher pour le moment. Okay, nice, je lui ai mis une petite rafale. Frère, en fait, cette SMG, elle est trop forte. Après, pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais fait justement une vidéo spéciale par rapport à cette SMG en vous disant que c'était l'arme la plus cheatée de Fortnite chapitre 5. Et en vérité, je pense que c'est toujours le cas, hein. Le problème, les gars, c'est que j'ai pas activé d'accessoires sur cette SMG. Parce que si j'arrive à activer beaucoup plus d'accessoires sur cette SMG, je pense qu'elle serait encore beaucoup plus forte, hein. Dont l'accessoire viseur laser qui me permettrait d'avoir l'arme vraiment super cheatée. Wesh, il a un sniper, hein. Les snipers, ça me fait grave flipper parce que ça peut one shot dans le crâne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu vas me rush à un moment donné, mon gars? Ok, nice, la petite rafale. Frère, les balles que ça met, frère. Ok. C'est parti, moi je le rush. J'ai pas peur de lui. Il a peut-être un fusil à pompe. Mais moi je le rush, frère. Oh non, non. Il va se re-heal, il va se re-heal. C'est ça le problème, les gars. Let's go! Oh là, vraiment, il a pas une chance, les gars! Et en plus de ça, il avait un médaillon en plus! Par contre, les gars, ça fait mal, hein. Je peux pas récupérer ses armes mythiques ou bien légendaires. Aïe, aïe, aïe! Eh bien, écoutez, c'est ça la difficulté du challenge, les gars, hein. On vient tout juste de rentrer dans le top 10 de cette partie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Je pensais pas aller aussi loin avec une SMG, frérot. J'ai même pas de fusil à pompe. Là, en tout cas, je pense que c'est mort pour avoir une autre arme parce que les cadeaux ne sont plus présents. Tout a été ouvert! Il faut qu'on rende fier, Père Noël, les gars, en faisant le top 1. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir si on va réussir, oui ou non, ce challenge. Je vais prendre la voiture juste là parce qu'elle est beaucoup plus rapide. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? J'espère pas, parce que moi je vais aller dans le coffre-fort. On va rajouter des accessoires à mes armes, histoire que ça devienne les armes les plus cheatées. Même en vrai, le revolver, il y a moyen qu'il soit cheaté. Ok, là, il y a personne qui se cache, tant mieux. Le revolver aussi, il y a moyen qu'il soit méga cheaté si je lui mets plein d'accessoires. Là, on va mettre, bien sûr, le viseur laser, c'est primordial. Le chargeur tambour pour avoir beaucoup plus de munitions. Et je pense qu'on va faire pareil pour le pistolet, hein. Chargeur tambour, viseur laser et frein de bouche. Voilà, magnifique. Là, on a le meilleur stuff du serveur. Hashtag pas du tout. Il y a des gens qui ont des armes légendaires, il y a des gens qui ont des armes mythiques. Mais bon, ça devrait le faire, je pense. Il y a un mec avec un médaillon qui est dans la même ville que moi, les gars. Donc, on va essayer de faire attention au maximum. Oh frère, il y a un coffre épique juste là. Hop là. Oh, il est derrière moi, il est derrière moi. Oui. Ah ouais, d'accord, il y a deux mecs qui me tirent dessus, frère, au même moment. Ils sont tous les deux là. En vrai, je suis pris en sandwich. Donc en vrai, la vérité, je pense que je vais attendre la zone, voir où est-ce que je dois aller. Comme ça, on va essayer de bien se positionner. Ok, elle est sur la droite. C'est y part, les gars. On bouge directement. Je vais pas faire le fou en sachant que je pourrais me faire ramasse-mietter. Et je déteste ça, les gars. Donc c'est parti en zone. En vrai, les gars, on est proche du top 1. Il reste 4 ennemis à éliminer. Après, on a 5 kills. J'avoue que c'est pas énorme. Mais bon, moi, j'ai essayé, les gars. Franchement, j'ai eu quelques bullfights. Ils étaient plutôt sympathiques, les kills que j'ai
fait. Franchement, ils étaient validés. On n'est pas tombé sur des bots, les gars. Donc en vrai, pour moi, je suis satisfait pour le moment. Il me suffit juste d'avoir le top 1. Comme ça, quand le top 1 sera réalisé, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube seront obligés de s'abonner, les gars. D'ailleurs, on arrive proche des 17 millions d'abonnés. Ça me ferait énormément plaisir d'obtenir les 17 millions d'abonnés avant que j'ai mon anniversaire des 18 ans. Voilà, donc j'ai bientôt 18 ans, les gars. Non, je rigole, qu'est-ce que je raconte? Avant que j'ai 28 ans, on va dire, hein. Voilà. Objectif, avoir 17 millions d'abonnés avant d'avoir 28 ans. Je pense que c'est plus correct comme ça, on a encore 4 ans. Je vais en profiter de récupérer des matériaux, comme ça on se met bien au niveau des pierres. Oh frère, la zone, c'est pas sérieux, frère, j'ai la pire zone de l'autre côté. Bon bah c'est parti. Je vais longer la bordure de zone juste ici. Frère, il y a du stuff par terre, du stuff gratuit quoi. Il y a des armes légendaires, je peux pas les récupérer, franchement ça fait trop mal. Va falloir que j'avance les gars, mais là je vois pas la position des ennemis, frère. Oh! Ah d'accord, il a essayé de me sniperiser les gars. Heureusement il m'a pas touché hein, parce que les snipers ça me fait grave peur. Hop, oh y a un mec juste ici en dessous, t'es sérieux? Compliqué les gars, on va essayer de garder la hauteur par ici. Ah d'accord, il a pris une grenade répulsive. Ok, il se dirige vers la zone. J'ai des grenades répulsives mais ça peut être plus important par la suite les gars. On est parti pour avancer un peu. Il reste encore 3 personnes encore présentes dans cette partie les gars. Je vais jouer intelligemment avec la zone. Je vais pas les rush comme un malade, à savoir que je n'ai pas de fusil à pompe. Donc c'est très très dangereux. En vérité je pense que j'ai une chance sur 2 de mourir si je les rush hein. Là, voilà, tu vois là il y a un mec. Là il est pas trop proche, pas trop loin. Du coup je peux le spammer et l'ennuyer un petit peu. Histoire qu'il ait plus de construction. Voilà. Voilà, on l'a bien ennuyé, je suis content. Un autre gars là-bas. Eh, vous savez quoi, je vais me cacher dans le buisson. Aucun scrupule, les gars, moi ce que je veux c'est faire le top 1. Oh là-bas, c'est en train de se fight, les gars. Non, j'ai pas réussi à le toucher. Frère, je suis trop nul là par contre, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est là. Là, j'ai bien l'impression qu'il y a tout le monde qui joue sa vie pour essayer de remporter de la victoire royale, malheureusement pour moi. Donc, je vais essayer de trahir ma vie aussi, hein, les gars, parce que moi, ce que je veux, c'est réussir à remporter le top 1. Imaginez, les gars, je fais top 2, ça serait horrible. Ok. Oh là là. Oh, mais ça passe à travers la construction. Je vous l'ai dit, cette arme, elle est cheatée de fou, hein, par contre. Allez, grenade répulsive, c'est parti, direction la zone. Wow. Oh là là, oh là, je suis tombé pile sur les ennemis hein. Ça c'est vraiment pas cool, on va se mettre la petite potion juste là. Et ils ont pas envie de mourir, ça se voit les gars. C'est y part, grenade répulsive. On va essayer de voir s'il y a moyen de prendre la hauteur. Ok c'est bon les gars, on prend la hauteur. Faut pas oublier qu'il pourrait avoir des grenades répulsives. Du coup on fait attention. Wesh, je suis dans la tempête, ok c'est bon. Là il y a un mec là. Oh, la rafale que je lui ai mise. Incroyable. Oh, let's go le kill. Mais attends mais wesh, cette arme elle est vraiment surcheatée les gars. Dommage qu'elle n'existe pas en mythique. Y'a pas de boss qui donne cette arme en mythique, c'est bien dommage. Bon les gars du coup il reste 2 personnes. Ah, une personne, voilà, c'est la finale. Let's go les gars. Là il faut pas mourir, il faut pas mourir. C'est parti, direction la zone, il est là. Touché une fois. Malheureusement c'est pas suffisant. Il casse les constructions. Non mec. Le top 1 dès le premier essai seulement avec les armes de Père Noël. Je pense qu'il sera très fier de moi. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo. Juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour la part les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.